bon matin tout le monde. Est-ce que je peux entendre Alléluia? Alléluia! Pour nos amis qui nous visitent, je suis Mme Gaétan, je suis pasteur ici à l'Église. Et ce matin, on va prendre une pause dans notre grande série automnale sur l'Église pour se consacrer à quelque chose qui est vraiment une des choses les plus bénissantes, inspirantes, encourageantes et importantes et tout ce qui finit par « entre » de la vie chrétienne, c'est-à-dire des baptêmes d'eau. OK, si vraiment tu comprenais combien Jésus est excité avec les baptêmes d'eau, je pense que tu dirais un meilleur amen, je te donne une deuxième chance, c'est-à-dire des baptêmes d'eau. Yeah! Donc, ce matin, j'aimerais parler brièvement, peut-être pendant une dizaine de minutes. Donc, une dizaine de minutes de pasteur, ça c'est un 20 minutes de personne ordinaire. J'aimerais parler du baptême. J'aimerais parler du baptême, mais d'entrée de jeu, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je voyais le band d'accès et j'étais vraiment touché de voir des jeunes qui se donnent dans la louange. Je pense que c'est un beau témoignage pour nous. De les voir. Puis souvent, des jeunes qui ont même été élevés dans l'Église, des jeunes qui ont des talents. Et vous savez, pour ça, quand on se promène un petit peu, on peut voir dans certaines églises, certains chrétiens aussi quelquefois qui sont facilement blasés de servir le Seigneur. Moi, ça me stimule de voir des jeunes qui ne sont pas blasés dans la louange et de brasser la cabane pour Jésus. C'est pas une expression biblique, mais je suis sûr qu'on peut faire un lien. Ce matin, je vais parler, je vais expliquer un peu c'est quoi un baptême. Pourquoi est-ce qu'on célèbre un baptême? Jésus a dit, allez baptiser, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Maintenant, pourquoi? Vous savez, la Bible nous dit de parler de notre foi, mais la Bible également nous encourage à montrer notre foi. Jésus nous a donné deux sacrements, deux ordonnances, c'est-à-dire deux choses qu'on doit faire, deux rituels. Pourquoi? Pour justement montrer notre foi. Le premier, c'est la communion. Donc, lorsqu'on prend le vin et le pain en symbole de la mort de Jésus, on se rappelle de lui. Et la deuxième chose, c'est le baptême d'eau. Vous savez, dans une société, une culture de multimédia, moi, je veux dire que déjà dans le christianisme, il y avait du multimédia. Alors, pourquoi aller voir un film en IMAX pour te faire brasser et te donner l'impression que tu te fais mouiller quand tu peux vraiment te faire mouiller pour Jésus? Ah, et on me dit également que c'était possible d'aller dans certains cinémas et lorsqu'il y avait une odeur à l'écran, tu grattais ton petit carton et tu sentais pour vraiment le vivre. Pourquoi faire ça quand tu peux sentir le pain, sentir le jus de raisin et vraiment célébrer la communion du Seigneur Jésus? Amen? Ce matin, le titre de mon thème, le titre de mon message ou le thème, c'est 180 degrés. Un baptême, c'est une démonstration de ce que Jésus a fait dans notre vie. Et en fait, les gens qui vont se faire baptiser ce matin démontrent qu'ils ont fait un 180 degrés. Maintenant, c'est vraiment important parce que le christianisme, la foi, l'Évangile, c'est pas juste quelque chose que tu ajoutes à ta vie. C'est pas une amélioration, c'est pas une modification, c'est une révolution, c'est une transformation. Et 180 degrés, c'est vraiment important parce que la Bible nous dit que d'une manière naturelle, l'être humain se dirige vers un gouffre. Maintenant, tu as une vie sans Dieu, c'est une vie qui se dirige vers une éternité sans Dieu. La Bible appelle ça l'enfer. Et si tu fais simplement ajouter un peu de Jésus à ta vie, tu peux modifier de 10 degrés, mais au bout de la ligne, ça n'a pas changé ta destinée. À l'opposé, il y a des gens qui sont très religieux, qui parlent beaucoup de Dieu, qui font beaucoup de choses pour Dieu. Mais quelquefois, c'est possible également de bouger, et au bout de la ligne, la religion te fait faire un 360 degrés, c'est-à-dire beaucoup d'énergie, mais tu arrives au même résultat. Maintenant, Jésus est venu nous enseigner la vie, une relation, et l'apôtre Paul parle justement que le baptême est une déclaration de ce que Jésus a fait dans nos vies. Et si vous avez une Bible, je vais lire dans Romains 5e chapitre. Ne vous en faites pas pour nos amis qui n'ont pas de Bible, vous pouvez suivre sur les écrans. Un verset très important qui démontre combien le christianisme et lorsqu'on se fait baptiser, c'est une révolution, c'est un 180 degrés dans nos vies. Si vous êtes à Romains 6, dites « Amen ». Sinon, dites « Attends ». Je commence la lecture. « Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ. C'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. » Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire ici que lorsque tu as mis ta foi en Jésus, il t'a donné une vie nouvelle? Amen.
Maintenant, quand on regarde au contexte, et ce matin, je n'ai pas le temps de décortiquer l'ensemble du chapitre, mais quand on regarde, on va à 5 chapitres qui précèdent, on voit l'apôtre Paul qui a écrit notre texte de ce matin, l'Épître, explique comment, lorsque tu te fais baptiser, c'est une déclaration que Jésus a complètement chamboulé ta vie pour le mieux. Et il présente 5 choses, 5 révolutions, 5 virages à 180 degrés dans nos vies. Je vais à quelques versets précédents. Donc, je vais au verset 19 du chapitre 5. Il écrit, « Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. » OK, restez avec moi. Dans le chapitre, l'apôtre Paul parle d'Adam, le premier homme, et explique que Adam était le modèle, mais que Adam a voulu vivre sa vie sans Dieu. Adam a voulu vivre sa vie, s'accomplir par lui-même. Adam n'a pas voulu tenir compte de Dieu, alors que Dieu l'avait créé pour être en relation avec lui. Adam a voulu être autonome, indépendant de Dieu. Évidemment, ça l'a amené le péché, ça l'a amené la chute, et Adam a influencé toute l'humanité. Vous et moi, nous sommes influencés par Adam. Céline Dion est influencée par Adam. Guy Lepage est influencé par Adam. L'humanité est influencée par Adam. C'est la condition humaine. Maintenant, l'apôtre présente une autre personne. Il y a comme un homme 2.0, et c'est Jésus-Christ. La Bible dit que par un homme qui a désobéi, tout le monde a été influencé. Mais la bonne nouvelle, c'est que par un homme qui a obéi, Jésus-Christ, qui est mort à la croix, lui qui était sans péché est mort. La Bible nous dit que la conséquence du péché, c'est la mort. Lui, il est mort à ta place. Et si tu mets ta foi en lui, tu es pardonné, sauvé, réconcilié avec Dieu, le Saint-Esprit est en toi et tu vas passer l'éternité dans la présence de Dieu. Ça, c'est le salut, c'est l'Évangile, c'est ce que Jésus est venu faire sur la terre. Maintenant, tu dois choisir. Tu dois choisir selon quelle personne tu vas marcher. Tu dois choisir, est-ce que c'est Adam qui va déterminer ma vie ou est-ce que c'est Jésus? Par exemple, mon fils est là, lorsqu'on écoute RDS, je ne sais pas si les pères vous êtes comme ça, mais nous, lorsqu'on écoute RDS, on est toujours en compétition. Non? OK, on est juste comme ça, on est bizarre, OK? On écoute, par exemple, il y a un combat de boxe, et là, on a toujours le réflexe de dire, OK, on en choisit chacun un. On ne peut pas prendre le même, sinon c'est plate. Fait que là, moi, je dis, OK, moi, je prends celui qui a des shorts rouges. Lui, il dit, moi, je prends celui qui a des shorts bleus. Et là, ils se battent. Et là, finalement, quand il y en a un qui gagne, c'est comme, oh! Mais en fait, on n'a rien fait. On est les deux assis sur le divan écrasé, mais on s'associe à une personne qui nous donne la victoire. Quels sont ceux qui me voient venir? Avec qui tu t'associes, à Adam ou à Jésus-Christ? Qu'est-ce qui détermine ta vie, le charnel ou spirituel? Le humain ou le divin? Le terrestre ou le céleste? Les gens qui vont se faire baptiser ce matin déclarent, « Je choisis non pas le gars avec une short rouge, je choisis celui qui est mort à la croix pour moi. » C'est lui, un virage. Deuxième chose, l'apôtre Paul dit, comme par la désobéissance d'un seul Adam, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Jésus, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Le deuxième 180 degrés, c'est les gens qui vont passer dans les eaux des baptêmes, dans les eaux du baptême déclarent qu'ils étaient pécheurs, ils sont devenus justes. Ça, c'est vraiment important. Si c'est Adam qui détermine ta vie, en fait, c'est que tu ne fais rien. En faisant, ne rien décider, c'est déjà décider quelque chose. La majorité des gens, c'est Adam qui détermine ta vie. Ton identité est où? Ton identité aujourd'hui, la majorité des gens, notre identité est dans ce qu'on fait. Avez-vous remarqué, quand tu rencontres des gens pour la première fois, une des premières questions, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi? Parce que par ce que tu fais, on est capable de te mettre une étiquette et de déterminer ta valeur. Aujourd'hui, ceux qui sont en Adam, leur identité est dans ce qu'ils font. Maintenant, ceux qui passent dans les eaux du baptême déclarent que leur identité n'est pas dans ce qu'ils font, leur identité est dans ce que Jésus a fait pour eux. C'est vraiment important. Et c'est pourquoi des gens, nous sommes tous pécheurs, mais ces gens-là déclarent que devant Dieu, je suis juste. Maintenant, il y a des gens qui sont ici, qui nous visitent. Une des choses, quelquefois, on vient à l'église, on dit « bon, je vais m'étirer, je viens à l'église », on s'assoit, et on trouve ça insultant que le gars en avant nous dise qu'on est pécheur. On vient à l'église, on dit, écoute, tu sais, c'est comme, c'est de la visite, sois gentil avec nous. On vient s'asseoir, OK, on est là, on s'assoit, puis là, toi, là, tu nous accueilles, puis tu nous dis qu'on est pécheur. Maintenant, il faut que je te dise la vérité. C'est pas que je veux être méchant, mais si tu veux vivre quelque chose avec Dieu, ça commence par réaliser d'où vient le problème. Et le problème, c'est le péché, on est pécheur.
Les bébés qui naissent sont tellement mignons, sauf quand il faut changer leur couche. Mais un bébé, moi j'ai eu deux enfants, là, sont tellement mignons, mais c'est des mignons pécheurs. C'est comme si tu achètes un ordinateur, ton ordinateur est super, hein, un beau Mac, et là je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui commence à être nerveux. Tu achètes un beau Mac, et tu l'ouvres, mais l'ordinateur est plein de virus. Ça, là, c'est la condition humaine. C'est pourquoi on est pécheurs. Puis là, il y a des gens qui vont dire, « Oui, mais moi, je suis une bonne personne. » C'est pour ça que la Bible dit, « On est pécheurs devant Dieu. » Vous savez, moi, je crois que je suis musclé et très beau et très séduisant. J'ai même de la misère à le dire. Et très articulé. Je peux penser n'importe quoi. Je peux penser que je suis plus intelligent que la moyenne. Est-ce que c'est vrai? Hein? Et souvent, les gens, je suis une bonne personne, mais c'est pas... As-tu pensé demander à Dieu qu'est-ce que Dieu en dit? À un moment donné, j'étais avec ma femme en voiture et il y avait, à la radio, il y avait un documentaire ou un reportage, puis on parlait de romance. Puis on parlait des hommes romantiques. Moi, je disais à ma femme, je disais, hey, toi, là, t'es béni d'être tombé sur moi. Chanceuse, toi. Là, elle dit, pourquoi? Je dis, ben là, moi, je suis hyper romantique. Là, elle me regarde et elle n'avait pas la même opinion. Et là, ma femme me dit, c'est parce que pour savoir si t'es romantique, je pense que c'est moi qui est mieux placé pour le dire. Et c'est là que j'ai appris que je n'étais pas romantique. Sérieusement, je me croyais romantique. Et là, j'ai, oh, boum! Maintenant, il y a des gens, tu te crois une bonne personne, maintenant, boum, non, t'es pécheur puis t'as besoin d'un sauveur. C'est ça la vérité. Et c'est pour ça que des gens qui se font baptiser déclarent « J'étais pécheur, et maintenant Dieu, dans sa grâce, me pardonne. Jésus, par l'œuvre de la croix, je le reçois, je suis pardonné et je suis juste devant Dieu. » Amen. Donc, la prochaine fois qu'on te demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Tu diras « Je fais des péchés. » T'es pécheur. Les gens vont dire « Oui, mais j'en fais pas beaucoup. » Ouais, mais hein, c'est comme quelqu'un qui commet un meurtre, mais il dit « Non, je ne suis pas un tueur, c'est arrivé juste une fois. » Le pécheur, le péché te définit. Maintenant, l'apôtre Paul dit, quand tu te baptises, tu passes à une autre étape. En passant, là, des gens ici, tu as mis ta foi en Jésus, puis malheureusement, tu ne vis pas ce pourquoi Jésus est mort. Il y a des gens ici, tu marches sous la condamnation. Écoute-moi bien. La Bible dit de la même manière qu'on est pécheur devant Dieu, quand Jésus définit ta vie, tu deviens juste devant Dieu. Et il y a des gens, ton problème, c'est à l'inverse. C'est-à-dire, Dieu te déclare juste et tu continues à te croire pécheur. Parce que tu luttes encore avec le péché, tu penses que le péché t'a défini. Le péché peut t'expliquer. Le péché peut expliquer d'où tu viens. Le péché peut expliquer certaines problématiques dans ta vie. Mais le péché ne te définit pas. Le péché peut être ton activité, mais si tu es en Christ, ce n'est pas ton identité parce que ton identité est en Jésus. Il y a des gens qui se collent des étiquettes eux-mêmes. Il y a des gens qui peuvent dire, par exemple, « Bon, mais moi, j'ai vécu un divorce, puis quand dans une discussion, c'est toujours la chose qui vient rapidement, je suis divorcé. » Non! T'es un juste qui a vécu un divorce et que Jésus est en train de restaurer. Les gens, tu dis, moi, là, je suis maniaco-dépressif. Puis ça détermine ta vie. Là, on arrive dans le mois de novembre, c'est un mois difficile. Puis ça détermine ta vie. Non. T'es un juste qui, génétiquement, a une disposition à la dépression, mais par la grâce de Dieu, tu te confies en lui et Dieu te relève. Et Dieu peut guérir. Et souvent, on met des... Il y a des gens, tu as commis un adultère et toute ta vie, tu portes l'étiquette d'adultère. Tu es un juste qui a commis l'adultère et aujourd'hui, Dieu agit dans ta vie et Dieu te restaure. Et Dieu te donne une deuxième chance. Il y a des gens qui, toute leur vie, ont arrêté de boire, mais vont dire, ou même encore, sont même des gens, des bons chrétiens, luttent avec l'alcool et l'étiquette alcoolique. Tu es un juste qui peut avoir un problème d'alcool, mais Dieu est plus puissant que ton problème d'alcool. Ne laisse pas ton péché te définir. Il peut t'expliquer, le péché ne te définit pas. Le péché peut être ton activité, il n'est pas ton identité. Vous êtes toujours là? C'est ce que les gens disent. Ceux qui vont se faire baptiser déclarent, les choses anciennes sont passées, maintenant voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Troisièmement, ils vont déclarer, non seulement j'ai fait un 180 de Adam à Jésus, un 180 de pécheur à juste, j'ai fait un 180, ce qui me définissait dans ma vie, c'était le péché, maintenant c'est la grâce. Le verset suivant dit, « Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère, mais là où le péché abonde, la grâce... » La grâce, ah, j'aime ça. J'aime ça parce qu'on est tellement pris avec toutes sortes d'affaires, toutes sortes de liens. Et là, le péché abonde.
Dans nos vies, là, c'est tout ce qui nous détruit, tout ce qui nous tient loin de Dieu, tout ce qui affecte le bonheur. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et le verset commence en parlant de la loi. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi de Dieu. La loi dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu ne prends pas le sauveur Jésus-Christ, la Bible dit, tu es condamné à une mort éternelle. On appelle ça l'enfer. Et ça, c'est pas drôle, puis on souhaite ça à personne. Maintenant, le salaire du péché, c'est la mort. Et souvent, les êtres humains, on a un autre problème, c'est qu'on a deux poids, deux mesures. Présentement, au Québec, tout le monde est traumatisé par rapport à la justice parce que Guy Turcotte a tué ses deux enfants et finalement, on trouve qu'il s'en sort facilement. La société trouve qu'il s'en sort trop facilement. On trouve qu'il n'a pas payé pour ses péchés. On trouve ça injuste. Par contre, on croit qu'on peut vivre toute notre vie sans Dieu, en se moquant Dieu, en étant rebelle contre Dieu, et qu'on va mourir et qu'on va passer l'éternité avec Dieu dans la félicité, la gloire et le bonheur. On a deux poids, deux mesures, et la Bible dit qu'il y a une loi de Dieu, et cette loi-là, elle est encore plus certaine que la loi des hommes. Et c'est pour ça que Jésus est venu, parce que la loi te condamne, et Jésus est venu porter ta condamnation. Maintenant, ceux qui passent dans les eaux du baptême vont déclarer que ce qui dominait dans ma vie, ce qui proliférait, ce qui abondait, c'est le péché, mais maintenant j'ai fait un 180, et ce qui prolifère, ce qui est surabondant dans ma vie, c'est la grâce de Dieu. Amen! Je sais qu'on a des ados ce matin avec nous. J'ai une illustration. J'ai mon fils qui est là. Il voulait voir les batailles. Viens me rejoindre. Vous connaissez roche-papier-ciseaux? Est-ce que vous connaissez ça? OK, sinon tu vas aller te rasseoir. Ils ne connaissent pas ça. OK, roche-papier-ciseaux. Roche-papier-ciseaux-allumette. OK, qui gagne? Pourquoi? Ciseaux plus fort qu'allumette. OK. Roche-papier-ciseaux-allumette. Oh! In your face. L'allumette est plus forte que le papier. Dans la vie, il faut que tu détermines qu'est-ce qui est plus fort dans ta vie. Un dernier coup pour le champion du monde. Roche, papier, ciseaux, allumette. Oh! C'est comme ça. Et c'est enregistré pour à ton mariage, je vais le remonter encore. Remonter. Maintenant, roche, papier, ciseaux. Maintenant, dans la vie, peut-être que tu as le péché. Mais la grâce est toujours plus forte que le péché. Et alors que souvent tu luttes avec toutes sortes de choses, les gens qui passent dans les eaux du baptême déclarent leur vie n'est pas parfaite, leur vie n'est peut-être pas sans péché, mais la grâce est toujours plus forte que le péché. Et ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai presque terminé. Ils font un 180 degrés, un virage, non seulement de Adam à Jésus, de pécheur à juste, de péché à grâce, de la mort à la vie. Pour que, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Moi, il y a 20 ans, ma vie a changé. Puis ce qui est bien, non seulement pour ma vie temporelle, mais elle a changé pour l'éternité. C'est incroyable de voir que dans un moment où je me suis confié en Dieu, ma vie, mon éternité a été complètement changée. On dit souvent « toute bonne chose a une fin », c'est pas vrai avec Jésus. Le bonheur, le ciel, la bénédiction qu'il a pour toi est sans fin. Maintenant, plusieurs personnes ici, tu dis, je comprends pas, tu parles de mort, puis de revenir à la vie, on va tous mourir. C'est un peu l'image que j'aime employer, c'est un peu si tu prends une poule, tu lui coupes la tête, la poule va continuer de marcher. Puis il y a des gens, tu es ici, je te le dis avec amour, respect et grâce, tu es une poule pas de tête. J'ai été longtemps une poule pas de tête. Pourquoi? Tu continues à avancer, mais tu es coupé de Christ qui est la tête. Tu continues à avancer, mais tu n'es pas connecté à Dieu. Et tu peux vivre pendant 80 ans, tu peux faire fortune, tu peux avoir la gloire, tu peux avoir le bonheur terrestre, mais au bout de la ligne, quand tu meurs, ça ne change pas le fait que ça va s'arrêter et qu'une éternité s'en vient très, très rapidement. C'est pour ça que Jésus est venu. Maintenant, ceux qui se font baptiser déclarent, « Je suis passé de la mort à la vie. » Moi, humainement, ma vie, il y a des choses, Dieu m'a ramené à la vie, mais je sais que ça, c'est pour l'éternité. Et la Bible parle d'un moment significatif. Et ma prière ce matin, là, pour tout le monde qui est ici, que tu ne marches pas avec Jésus, tu ne suis pas Jésus, c'est que tu puisses vivre cette naissance spirituelle, qui n'est pas rattachée à une église, c'est pas rattachée à un membership, c'est pas rattachée à un rituel, c'est pas rattachée à n'importe quoi, c'est même pas rattachée à l'homme. C'est là, alors que tu m'entends, puis alors que je te parle de ce que Jésus a fait, il peut prendre dans ta vie une naissance spirituelle. Et quand cette naissance spirituelle prend place, c'est une nouvelle vie qui commence et une vie éternelle qui est promise. Et parlant de nouvelle naissance, voici comment naît un Japonais.
Fujifilm. C'est comme quelque chose de différent. Maintenant, je sais qu'on parle de naissance. On a tous né une fois. La Bible nous appelle à naître deux fois. C'est-à-dire, tu nais, oui, en Adam, mais tu nais en Jésus, tu nais spirituellement. C'est la nouvelle naissance. Puis ça, c'est simple, hein? La même manière que ça te prend un homme et une femme pour donner naissance, pour créer, pour produire la vie. La Bible parle, si tu reconnais que tu es pécheur, que tu as besoin d'un sauveur, la Bible, il y a un vieux mot là, qui dit repentance, qui semble désuet, mais qui est tellement actuel. Si tu réalises ton besoin d'un côté, puis tu mets ta foi dans ce que Jésus a fait à la croix, ça crée une naissance spirituelle dans ta vie. Et ça fait que tu n'es pas un homme religieux. Tu n'es pas quelqu'un de rituel, quelqu'un de spirituel. Et les gens qui vont passer dans les eaux du baptême déclarent qu'ils sont passés de la religion à la relation. Si vous regardez le texte comme il faut, je termine avec ceci. Et maintenant, je recommence le verset que j'ai lu au début sur le baptême pour vous démontrer le contexte. Donc, l'apôtre Paul continue. Après avoir démontré toutes les 180 degrés, il dit, « Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui pour le baptême en relation avec sa mort, afin que comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. » On aime dire ici à l'Église de Portail, tout a toujours rapport avec Jésus. Tout a rapport avec Jésus. Les gens qui se font baptiser parce qu'ils ont une relation personnelle avec Jésus. Moi, quand j'étais bébé, mes parents m'ont emmené dans une église et j'ai été baptisé. On a mis un petit peu d'eau sur mon front. Et ça, on me disait, voici, c'est ton baptême. Mais la Bible dit que le baptême, c'est pas quelque chose de religieux. Un baptême, c'est une relation avec Jésus. C'est pas juste à partir de ça une religion, c'est une question de cœur. Est-ce que j'ai une foi en personnel en Jésus? Ceux qui vont se faire baptiser, ils se font baptiser par immersion. Pourquoi? Parce que dans la Bible, encore une fois, le baptême, c'est un symbole très, très fort qui veut dire la même manière qu'on était mort spirituellement et éternellement, nous allons dans l'eau, symbole de la terre, donc on est enseveli avec Christ qui est mort, mais comme Christ est ressuscité, nous déclarons que nous sommes revenus à la vie. Le baptême ne rend personne vivant. Le baptême ne sauve personne. C'est une démonstration de quelque chose qui a déjà eu lieu. Maintenant, ceux qui vont se faire baptiser, ce n'est pas de la religion. C'est une conviction personnelle. Si tu te fais baptiser sans la foi, c'est simplement se mouiller devant un public. C'est simplement prendre un bain collectif. C'est simplement faire une trempette rituelle. Ceux qui le font ce matin, c'est une déclaration de foi. Ils déclarent, voici de la même manière que je vous montre que j'étais mort, je suis revenu à la vie, je vous déclare que ça, c'est mon expérience personnelle avec Jésus-Christ. Et ça, c'est la chose la plus importante au monde.